Wandugu apenzi, champeno, banabetu, moywenu, bandeko, nabiso, babolingo, mbote, nabino, bampangi, yamunu, ya Vincent, mbote, nabenu, ana, lengo, moyanyo. Voilà, on se retrouve là avec trois sujets que nous allons commenter ensemble, chers compatriotes. Alors, nous allons commencer par les malheurs d'Albert Yuma qui continuent. Vous savez, Albert Yuma, c'est l'ancien patron, où il continue toujours à être patron, il n'a pas été changé depuis l'avènement du nouveau président, il est toujours là. Albert Yuma, le fossoyeur de la Gécamine et par-delà du Congo entier, il a mis le Congo à genoux en détournant les fonds de la Gécamine, en mettant la Gécamine par terre aussi. C'est lui qui a fait les milliards de Joseph Kabila. Nous allons parler de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou persiste et signe. La marche aura bel et bien lieu le 17 janvier. Il se base sur la Constitution. Alors nous constatons également que le pasteur ou l'évêque Mokuna, c'est selon, il a des soutiens apparemment. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Google, il est soutenu par des Congolais qui lui donnent bien raison. Et voilà, nous allons commencer par Albert Yuma. C'est lui que le président Félix Tshisekedi a rejeté longtemps parce que Joseph Kabila voulait l'imposer pour Premier ministre. Il a dû résister plusieurs mois jusqu'au mois de juin 2019 pour ne pas l'accepter comme Premier ministre a accepté Ilunga Ilunkamba, que ces derniers temps, on a comme l'impression qu'il lui tourne le dos. Voilà, on passe à la lecture du média. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, Bandeko Babolingo, les malheurs d'Albert Yuma continuent. Voilà comment on peut les lire ici sur 7sur7.cd. RDC, Albert Yuma privé d'inaugurer son joyau, la société minière des Iwa. Vous voyez, son joyau, bijou naïe, société minière de Désiwa. Mais ils allaient qu'on dépendre de la Gécamine. Gécamine a 55%, société monsou, ce qui société ni, dans un bas pourcentage monsou sur un amé. Pendant 10 ans, Gécamine D a bénéficié. Comment on va le lire? Alors, vous voyez bien la photo d'Albert Yuma, le fossoyeur de la Gécamine. Donc, fossoyeur, les alimoutoyo, azakana cimetière, on salanaye, koti moula mabulu, mabulu ya, la baserke, po batia baserke, na kasia mabulu, ana. Donc, yé azali fossoyeur, ya Gécamine, par conséquent, fossoyeur, ya République démocratique du Congo, yé moutou, atia peuple congolais, à genoux, na ba détournement naye. Si détournement, principalement détournement, il y a 200 millions. Donc, mon inauguration, il y a société, il y a Sikawana.
Donc, justice, Ezali Kolandelaye, donc, Moyen Peba Bibanamboka, Ezate. C'est l'état de droit. Voilà. Et pourquoi ils ne sont pas suspendus jusque-là? On ne sait pas. La Kabylie, comme il en a l'habitude, verrouille tout. On verra bien le 24 ou après le 24 janvier. Voilà. On continue la lecture. Albert Yuma, privé d'inaugurer son joyau, la société minière de Desiwa. Je ne sais pas ce que veut dire Desiwa, mais on va le savoir. L'ombre du patron de la Gécamine Albert Yuma Moulimbi a plané ce mercredi 15 janvier à Kolwezi. Pendant toute la cérémonie d'inauguration de l'usine ultramoderne de raffinage de cuivre et de cobalt de la société minière de Desiwa, SAS, Somidez, une JV entre Gécamine, 49%, ah oui, c'est l'inverse, 49%, et CNMC, 51%. C'est encore du chinois là pour moi, mais on va voir. En effet, Desiwa, ou Desiwa, est le projet phare du président du conseil d'administration de la Gécamine. Et Zala qui projet laïe, il y a mis toute son énergie et tout son talent, c'est son joyau, confie 7 sur 7.cd, l'un de ses proches, dépité par son absence. Son absence est un coup dur pour nous, regrette-t-il. C'est l'un de ses proches qui dit ça, hein? Son absence est un coup dur pour nous, regrette-t-il. Officiellement, aucune raison n'a été avancée sur l'absence de Yuma à cette cérémonie solennelle de lancement de la production commerciale de Somidez. Au bout de 10 ans, la production commerciale de Somidez sera détenue à 100% par Gécamine. Se félicite Yuma dans le discours qu'il avait prévu de prononcer. Malheureusement, il n'est pas là à cause de ses démêlés judiciaires. Il ajoute que Gécamine aura encore près de 9 ans de production en propre après la fin du contrat avec CNMC. Le PCA, c'était le président du conseil d'administration de GCM Gécamine, estime que Somidez, c'est le début de la renaissance de Gécamine. Comme producteur de premier rang du cuivre et du cobalt, la Gécamine ne sera plus simplement une société de gestion de partenariat, comme le voulait la communauté internationale d'après Yuma. Sur les raisons de son absence et de tout le staff dirigeant de l'opérateur public minier, selon plusieurs sources, notamment judiciaires, il s'agit de l'affaire 200 millions d'euros dans son volet pénal. Mais je pensais 100 millions de dollars. Bon, c'est presque la même chose. Voilà. Les dirigeants de la Gécamine sont à la disposition du parquet général depuis un mois. L'instruction se poursuit. La direction générale de migration avait été instruite pour restreindre les droits d'aller et venir librement du staff dirigeant de la Gécamine. C'est la certitude de la créance de 128 millions d'euros tirée sur une ligne de crédit de 200 millions d'euros de Ventura à Gécamine en 2018 ne fait aucun doute. Des ONG ont soulevé plusieurs questions sur l'utilisation de cette importante somme. La Gécamine, pour sa défense, a dit que la majorité de cette somme avait été prise par l'État propriétaire. Elle a brandi une lettre de titrisation du ministre des Finances de l'époque qui reconnaît des avances fiscales de Gécamine représentant 90% de ce prêt. Sur cette affaire, le président de la République avait dit que la justice fasse toute la lumière. Dans son volet civil, l'affaire 200 millions d'euros est devant la cour d'appel du Haut-Katanga. Ventura veut se faire rembourser par Gécamine, car le prêt devrait être restitué après 6 mois.
Jekamine oppose une fin de non-recevoir avant tout, arguant qu'un tel paiement mettrait en danger le système financier national à cause des sanctions américaines qui frappent le patron du Ventura, Dan Gertler. À noter que c'est aussi grâce à Dan Gertler que Somidez a vu le jour. Pour que Jekamine rachète les actions de Platin. Pour que Jekamine rachète les actions de Platin dans le projet des IWA, dont il détenait 68% et devienne propriétaire unique de cette mine, il lui fallu un prêt de 200 millions de Fleurette Group. GMM. Voilà, ce n'est pas du chinois, vous avez entendu. Chers compatriotes, là nous comprenons très bien que c'est le début de la fin de la gestion de la Jekamine par Albert Yuma. S'il n'est pas venu à l'inauguration de son joyau qui était son projet, c'est qu'il est privé de liberté. Voilà. La justice continuera à s'occuper de lui. Voilà, chers compatriotes. Comme quoi l'état de droit fonctionne malgré les bâtons dans les roues de la part du FCC. Normalement, dans ce cas d'espèce, il devrait déjà être suspendu de la direction de la Jekamine pour permettre à la justice de fonctionner. Voilà, Martin Fayoulou persiste et signe. À lobby, marche et Kozala. Donc Balingaté, marche et Kozala parce que la Constitution le stipule. Donc Bango va quoi informer Kaka parce que comme a mis la Constitution, il faut Kaka quoi informer. Donc manifestation les a pacifiques et les a libres. Bango, il faut manifester malgré que c'est la commémoration de la mort du héros de l'indépendance. Oui, du héros, pas de l'héros. Du héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Alors, malgré cela, il dit que la marche aura bel et bien lieu. Bon, à l'époque, l'UDPS le faisait aussi. Hein. On interdisait les marches, mais bon, il se basait sur la Constitution, que les manifestations sont pacifiques et libres, alors on ne peut pas les interdire. Eh bien, nous verrons ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un bras de fer? On ne sait pas. On dit « wait and see ». Voilà, nous allons lire l'information publiée dans les médias. Voilà, chers compatriotes, ce que nous pouvons lire sur politico.cd. Donc, la MOCA persiste et signe. La marche est maintenue pour le 17 janvier 2020. Steve Kivuata, secrétaire général du Nouvel An. Faut-il dire la MOCA ou faut-il dire Martin Fayoulou de l'ECID? Bon, nous transmettons ce que nous lisons. Voilà, ça c'est une photo d'illustration de Martin Fayoulou et toute sa compagnie.
Voilà, le message est là. Pouvons le lire ensemble. Malgré l'interdiction du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentiline Gobila, la coalition Lamouka maintient sa marche prévue le 17 janvier 2020, jour de la commémoration du héros national Patrice Emery Lumumba. Oui, bon, ils ont écrit de l'héros national. Bon, j'essaie de corriger. Du héros national Patrice Emery Lumumba, car il s'agit d'un H aspiré. Voilà, c'est pas grave. La marche est maintenue pour le 17 janvier 2020. Nous nous sommes fondés sur l'article 26 de la Constitution pour l'organisation de notre manifestation. Le gouverneur se fonde sur l'arbitraire pour l'interdire sans aucune référence ni à une disposition constitutionnelle ni légale, a déclaré Maître Steve Kivuata, secrétaire général de Nouvel Élan et porte-parole du coordonnateur de l'AMOCA. Et d'ajouter, il s'agit ainsi, au regard de l'article 28 de la Constitution, d'un ordre manifestement illégal, puisqu'il porte atteinte à une liberté publique, celle de manifestation. Nous sommes appelés, conformément aux vœux du constituant, à ne pas y obéir. Il appelle par ailleurs la police et les bourgmestres à ne pas exécuter l'ordre du gouvernement de la ville de Kinshasa. Police et les bourgmestres que le gouverneur appelle à nous empêcher de manifester ce jour-là sont appelés à ne pas exécuter cet ordre qui est manifestement illégal, lance-t-il dans son message. Thierry Mfundu. Voilà. Vous avez lu vous-même, chers compatriotes, vous êtes informés. Martin Fayoulou et ses compagnons se basent sur la Constitution qu'ils maintiennent. Ils maintiennent leur marche du 7 janvier. Eh bien, le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui, il pense que comme c'est un jour de commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le héros de l'indépendance, qu'il ne fallait pas perturber cette journée-là par la marche, eh bien, nous espérons qu'il n'y aura pas de troubles parce que la marche elle-même, elle est théoriquement pacifique. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, chers compatriotes, vous êtes informés. Parce que le message est que tout le monde est que
tout ça si manayo et que message wana et continuer et qu'on continue si ma casse pas la colonne sur tout et que te voulais affirmer un mot bien 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 le 24 au les années Koulouyo présent Félix Antoine Tshisekedi Azoa qui pouvoir effectivement tout au dans la stade de Martyrs na 8h pour la célébrer un mot pour la qui ça les choses qui n'a dit ça ça awa fatia za la. Merci mingi moya mbisi. En tout cas de vous accueillir. Merci, merci. Je vous souhaite de vous nous au Vatican qui est la petite somme de la série. Au Mouni, et le Mouni, le Mouni, le Mouni, le Mouni, le Mouni, le Mouni, le peuple congolais, j'ai conscience qu'il faut que si nous sommes dans le calice, Moko, que tous on s'est le Moko, Yanin, Mouni, le Congolais, la Gata Congo, et Sila. Voilà, comme vous avez pu le constater, l'évêque Mokuna Pascal est soutenu par plusieurs associations, parmi lesquelles l'association de Zachary Bababassoué. Voilà. Eh bien, nous passons à la déclaration de Monseigneur Ambongo, le cardinal. Nous allons passer à sa déclaration et nous clôturons. Il soutient en effet le président de la République, contrairement aux spéculations que nous avons entendues à gauche à droite à son retour de l'Est où il s'était rendu. Voilà, il soutient le président de la République. Il n'y aura pas du tout de balkanisation et il n'y en a pas. Voilà, chers compatriotes, suivons. Dans les prochains jours, dans un entretien ce lundi au Palais de la Nation, Monseigneur Fridolin Ambongo est venu cerner les contours de ce voyage officiel programmé dans le cadre du renforcement des relations entre la RDC et le Vatican. L'archevêque de Kinshasa s'est saisi de l'opportunité pour faire le point avec le garant de la Nation sur les enseignements de son récent séjour dans la partie est du pays où il affirme avoir vu majoritairement à Béni une population traumatisée par les exactions et tueries commises par des hommes armés. Après plusieurs minutes d'échange, le prélat catholique s'est déclaré confiant quant à la détermination du chef de l'État à installer une paix durable dans cette région. La détermination du chef de l'État, sur base des éléments sur lesquels nous avons échangé, sa détermination à trouver une solution à la souffrance de nos frères et sœurs de l'Est. Sa détermination à mettre tout le moyen au service de l'armée pour que notre armée puisse donner le meilleur d'elle-même et terminer avec cette affaire d'égorgement à l'Est. Le cardinal parti, ce sont les présidents de deux chambres du Parlement qui franchissent le bureau du chef de l'État. Plus d'une heure de discussion pour faire le point sur les questions essentielles de la vie nationale. Les sujets d'ordre social, les sujets liés aux provinces, les sujets liés aux entreprises, aux dispositions de textes, les sujets liés au fonctionnement des institutions et bien d'autres sujets ont été évoqués. Mais en début d'année, il est tout à fait normal que les chefs des institutions rencontrent le président de la République et également la Nation aussi garde des textes pour s'assurer que nous allons dans la bonne direction. Nous allons aborder tous les aspects, nous allons commencer par la sécurité, évidemment. Nous allons commencer par la situation, plus particulièrement à Béni et dans d'autres coins de la République. C'était le premier point de l'ordre du jour. C'était un entretien extrêmement utile et productif. Nous poursuivrons ce genre de rencontre avec le président de la République. Ce passage en revue des différents aspects de la vie au pays permettra au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de mieux orienter ses actions en faveur du bien-être de la population. Il ira bien en visite officielle au Saint-Siège à Rome dans les prochains jours, dans un
Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République n'a vision. Démarche nous avons plus de 115 associations au état de répertorié. Ma vie est une chasse à vous soutenir présentement. Kakata de la Kinshasa. Tu veux que vous savez, ok. Comment il y a éveil, il y a conscience au Bali. Oui, parce que tout ce pays dans mon mini, vous allez de mon côté. Bah, Congolais et Bélé et. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobikalambote, Wandugwapenzi, tout la Malisa, tout en haut la Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikalambote, et tout en haut la Mbas. Voilà, tu vas suivre, Chalai Bip, de tout mon âme, tu connais beaucoup de vidéos, Mukwabu. Ana lingo amboshila.